C'était cette semaine, dimanche dernier, plus exactement, journal de 20h de TF1. Anne-Claire Coudray interview alors le chanteur Stromae. Et arrive cette question. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Alors, chanter sans mal-être, des envies suicidaires, c'est pas nouveau. C'est un thème qui est récurrent chez les grands artistes. Vous citez dans votre livre La chanteuse Pomme et son titre, L'anxiété. Sauf que le passage de Stromae a été un électrochoc. La vidéo a été visionnée, j'ai contrôlé tout à l'heure, par plus de 5 500 000 personnes sur YouTube. Le nombre de rendez-vous, surtout chez les psychiatres, a explosé, autant que les appels au numéro de prévention du suicide, qui est le 3114. Même le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est fendu d'un tweet pour remercier Stromae d'aborder le sujet difficile du suicide. Est-ce que pour vous, ces prises de parole publiques, elles sont salutaires, notamment quand on cherche à alerter, à sensibiliser un public jeune sur ces problèmes de santé mentale? Clairement. Et si Stromae nous écoute, ou d'autres grandes stars qui veulent dévoiler aussi, merci. Vraiment, nous, la communauté des soignants, des psychiatres, on dit merci. Merci. On va, au-delà de toutes les polémiques, ah oui, merci. Merci. Merci parce que la levée de ce tabou, c'est quand même 9000 morts par an en France, c'est 2 à 3 fois plus que les accidents de la route. On en parle tellement peu et ce sont des morts évitables. Ce sont des morts évitables. Et là, qu'un immense artiste comme lui puisse en parler, c'est difficile. Regardez, quand les gens au travail ont un arrêt de travail pour dépression, vous savez que c'est l'une des premières causes d'arrêt de travail ou de coûts socio-économiques pour les sociétés, ouais. les troubles liés aux, les troubles émotionnels. C'est rare que les gens osent dire « je me suis arrêté pour... j'ai souffert d'une dépression ». Les gens, vous parlez de sciatique, etc. Il ose, il le fait. Il dit qu'il n'en a pas été fier, mais moi, je suis extrêmement fier de lui. S'il nous écoute, je lui dis. Ce qu'il ne dit pas, Stromae, dans cette interview, c'est comment il a fait pour s'en sortir. Ouais. Ça lui appartient. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que si des gens ont des pensées suicidaires, il faut parler et s'adresser, pourquoi pas, à un professionnel, à un psychiatre notamment. Vous avez parfaitement raison, il faut le dire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a un numéro national qui est le 3114 que vous pouvez faire 7 jours sur 7. Et il y a toujours des professionnels, votre généraliste, si vous êtes un adolescent, vos parents, vos professeurs. Et parler, l'une des premières questions qu'on se pose quand on rencontre quelqu'un, comment ça va? Mais il faut oser parler, il faut oser se poser cette question à soi-même. Et ce qui est assez fort dans votre livre, c'est que vous montrez que l'envie de changer, il faut la construire, elle ne vient pas spontanément. Et donc, il y a des outils pour ça. Alors, par quoi commencer? Je commence par citer Camus, en fait, dans son livre « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert un invincible été ». Et ce qui est très fin chez Camus, c'est qu'il ne dit pas « après l'hiver vient le printemps », ce serait un peu niais. Il dit « au milieu de l'hiver », au milieu des épreuves. Il dit autre chose dans le mythe de Sisyphe. Hein, Sisyphe, c'est un peu cette métaphore. Vous vous souvenez, cet homme qui a été condamné par les dieux à rouler, à monter sa pierre, c'est un peu nous, métro, boulot, dodo, pas de retomber de la montagne. Et il faut imaginer Sisyphe heureux. Il termine sur ça, mais il commence en disant « la seule vraie question philosophique sérieuse, c'est la question du suicide ». Ce n'est pas de savoir si l'esprit a 9 ou 12 catégories ou s'il y a 3 dimensions dans les... Il a raison, on s'est tous posé cette question-là. On a tous souffert, on est fait de cette patte humaine-là. La détresse, la souffrance, la tristesse, on va tous expérimenter. On va souffrir, on va mourir un jour. Mais il peut aussi y avoir des trucs chouettes. Il peut y avoir du lien, il peut y avoir des gens, il peut y avoir des moments heureux, il peut y avoir des moments joyeux. Et il peut y avoir des ressources qu'on trouve soit auprès des autres, soit voilà, moi l'idée c'était simplement d'essayer de donner quelques outils aussi. Je ne veux pas paraître pour un charlatan. Hein. Non, une justement, vraie dépression parce que peut nécessiter des médicaments, un suivi, un médecin, ça ne remplacera pas un professionnel de santé si vous avez besoin. Mais on nous dit toujours qu'il faut gérer votre stress, vos émotions, on ne nous dit jamais comment. Donc je voulais proposer des stratégies simples.